Bah malheureusement vous êtes venu au Club des 5. Je vais te donner la stat quand même, faut le savoir. Faut que le public sache la stat. Ouais, quand vous venez, c'est jamais la défaite. Hein. Il la met sur le poteau. L'histoire elle est là. La malédiction est finie. C'est ça la France qui gagne. C'est dans la tête. Vous retrouvez sur la chaîne du Club des 5 pour un nouveau Club des Socios. On est ici à Saint-Denis, souvenez-vous, il y a 3 ans, on avait fait les fanzones ici, on s'était dit rendez-vous en quart de finale. Bon, élimination un peu prématurée, ce n'était pas arrivé, donc on a décidé de corriger le tir. On est là ce soir pour accompagner, on espère, les Bleus en demi-finale et pour vivre une soirée d'anthologie, bien sûr, dans le Club des Socios. Allez, c'est parti. Bon, cette année, on vient voir une victoire, on espère. Bah ouais, j'espère. Franchement, ouais, quand vous venez, c'est souvent la défaite. Hein. Ouais, c'est pizza offerte, s'il y a le bon pronom ou pas? Non, pizza payée double, si j'ai gagné. 2-1. Ouais. Et le réveil de Kylian Mbappé. 2-0 minimum. Qui marque? Laisse Mbappé le bleu. Franchement, 1-0. Ouais. 1-0. Très dur. La France, il se réveille pas. À la française, quoi. À la française dans ce petit moment. À la Didier Deschamps. Soir. Pour la France. Ouais. 3 buts à 1. Okay. On laisse les tout dernier. La coupe d'Andrich. Andrich. Ouais. Non, c'est violet lui. Moi, c'est rose. Attends. Aujourd'hui, la surprise, c'est Barcola. Et je m'arrêterai là. Ah, il marque ce soir. Il rentre, non, il marque. Il rentre, mais il fait. Ouais, il fait la place de titulaire. Ok. La mise de match va commencer. Je vous invite à venir devant l'écran. J'aime pas ce match. Si Ronaldo veut nous remettre un coup franc en tribune, on est tranquille. Si c'est un autre joueur, je suis pas serein. On peut faire un pari. Dans quel joueur Cristiano Ronaldo va taper dans le mur des Bleus? C'est ça le pari en fait. Ce sera pour Bruno Fernandes. Hein? Dommage que Ronaldo ait pas tiré. Je suis pro CR7, je vais pas mentir. Ouais. Mais franchement, non, le Portugal il mérite pas de gagner. 6-0. Non, il va bien. Ouais, bah j'espère que t'as raison, hein, mais... Ah, bah, mais toi, t'es en VIP, là, en fait. T'es en tribune présidentielle. Je laisse la jeunesse faire l'ambiance. Mais... Oh, Koundé, il maîtrise la haut dans tous les points. Alors, non, frérot, il arrive à passer. Je suis le fan numéro 1 de Koundé en France, hein, mais doucement. Non, quand pas même, trop non plus, mais franchement, il y a beaucoup d'actions, ça passe pas grâce à Koundé. Oui, non, c'est pour ça, c'est solide. Ouais, c'est solide. Ça me fait plaisir que tu dis ça, t'es un bon. Niveau défense, pour l'instant, c'est solide. Il y a quelques failles, mais ça va. Bah malheureusement, vous êtes venu au Club des 5. Je vais te donner la stat quand même, faut le savoir. Faut que le public sache la stat. Cameroun éliminé. Ouais. France-Suisse éliminé. Ouais. Algérie-Burkina, match nul, suivi d'une élimination de la CAF. Ouais. Donc la quart de finale France-Portugal. J'espère que ça va passer, hein. On arrête cette malédiction. Mais c'est bon, on dit jamais 203, c'est la quatrième. Ouais, c'est la quatrième. Ça va se passer ce soir là, parce que la première mi-temps, on n'est pas ouf. Hein. Wow. On n'est pas ouf. Bon, en tout cas, on est content d'être ce soir avec tout le monde dans la fan zone. Donc bravo déjà à Seven Dream. Ouais, bien sûr. De créer des temps forts comme ça. Nous, bon, on est les habitués, hein, bien souvent. Non. Quoi, la première mi-temps? La première mi-temps, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Pas trop ouf. Hein. Déçu? Non. C'est un petit peu serré, hein, envers les deux équipes. C'est serré. Et l'ambiance, c'est assez léger aussi là. Ouais, c'est léger. Faut mettre un peu l'ambiance en deux. Ouais, ça va. Ouais. Quoi, la France, ils vont mettre là? On va tous sur 1-0. Okay. On est chauvin jusqu'au bout. 2-1. Ok, 2-1. Ah, non, t'as 2-0 il y a 2 secondes. Je préfère 2-0 moi quand même. 2-1. 2-1. 2-1. 1-0. 1-0 classique. Ça dépend des joueurs, mais je pense que 1-0 pour la France. Ouais, à la française quoi. Ouais. 3-1. 3. Ah ouais, toi tu. On va courir quoi. À mi-temps, je vois doublé de Ronaldo. Ah ouais? Ouais. Et on va se faire punir quoi. Ouais, victoire du Portugal 2-1 face à la France. Ah ouais, t'es pessimiste quoi. Ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer? T'es sûr? On va gagner combien alors? Je crois que Portugal va gagner 3-0. Ah ouais, donc ça va bien se passer, mais on perd, c'est ce que tu dis. Ah non, t'es pour le Portugal toi du coup. C'est une action. Pourquoi? 3-1. 3-1, t'as changé d'avis donc. Donc tout à l'heure tu voyais 3-0 pour Portugal, maintenant 3-0, 3-1 pour la France. Regarde, but de la France, là, non. 74 600 200 000 euros. Ah tant pis. Pas tout de suite. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais la Coupe du Monde, on s'est toujours même, non? Ouais. La même, je te jure, la même. Ouais. Ah non, si, c'est maintenant. Allez, Ousmane. Allez, Ousmane. Allez.
Putain, mais c'est pas possible. On est tendu là quand même. Comment il s'appelle celui qui a mis le carton jaune? L'arbitre? Ouais. Michael Oliver. Michael Oliver, on t'aime pas. Ouais, voilà. Alors, combien vous mettez à la fin? Sachant qu'il reste 3 minutes. Ouais, s'il peut y avoir 1-0, je prends. 1-0 pour 1-0 la dégueulasse, France. Je prends. Maintenant, c'est bon, on est habitué. Jules. Allez, mon Jules. Intelligent. Allez, Ousmane. Ousmane, la famille Ousmane. Kylian, c'est quoi cette frappe? Cette frappe sans protéines là. Désolé Ronaldo, hein, grand joueur, immense joueur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est gaze aujourd'hui, franchement. Ouais, non, mais le match Mbappé Ronaldo, il est horrible. Ça ressemble beaucoup trop à France-Suisse. Il va sortir, c'est sûr. Ah, là, quand tu... J'ai pas les mots. C'est une petite stat rassurante, c'est que la dernière fois que les Bleus sont allés au tir au but parce qu'il y a eu un 0-0 dans le match, c'était contre l'Italie en 98 et on a gagné. Voilà, sachez-le, et n'oubliez pas la fin du match. On peut le dire, je suis comme un gosse là. Ça a passé. Non, en vrai, je suis pas serein du tout. Ça marche ou pas? Mais tu vois, je me dis comme ça, je suis déjà par terre. Ah voilà! Ronaldo, il a faux au-dessus. Tu penses? Ah, je pense qu'il va la mettre. Allez. Allez, mon gars! Yes! C'est bien. Ça passe pas loin à chaque fois. Oh, aucun espoir avec lui. Ah, j'ai plus de stress que le jour de mon bac. Aïe aïe aïe, mon Jules, je refuse de voir ça. Mon Jules, incroyable. Voilà. Frérot, y a un SAMU dans le coin ou pas? Y a un hôpital, pardon. Ok, ça va. Cool. Allez mon Mikey. Il la met sur le poteau. Allez, maman! Voilà! J'ai dit quoi? Sur le poteau, mon gars! Sur le poteau! Mon pélo! Allez! C'est pour 69! Allez! Allez, maman! Allez, Mike! Non! C'est maintenant, Mike! L'histoire, elle est là! La malédiction est finie! Allez, c'est pas grave, c'est maintenant. Pas de crime. Pas d'Algérie, pas de crime. Pas de France-Suisse. Allez, les gars. Les tirs au but. Didier Deschamps. Didier, on t'aime. Allez, Didier. C'est ta victoire, Didier. Génial! C'est toi la tête! C'est ça! C'est ça la France qui gagne! C'est ça la France qui gagne! Ah, viens. C'est quoi ça? Ah ouais! Non mais! C'est dans la tête! Non mais c'est bien, pour une fois un Belge a gagné ce soir, tu vois. J'ai vu que t'étais content donc. On a gagné! On a eu un parcours très compliqué, on tombe que sur les gros de 7 euros. Mais franchement, je pense que ça va le faire parce qu'on est un des favoris. Et allez, le prochain, c'est l'Espagne. On a mis fin de série après France-Suisse, après Algérie-Cameroun, après Algérie-Burkina. Et ben, le club des 5 est là pour une belle qualification. On a gagné au tir au but, frérot. C'était un trait de la France, il était pour le Portugal. S'il vous plaît, dans les commentaires, présentez-lui. Allez, Ronaldo. Partout le meilleur pour la France et qui gagne cet euro. Allez, les Bleus. L'interview était géniale, je trouve. Très bien, merci. Mené. C'est beau. C'est la puissance.
Donc pour nos jeunes, ça, c'était heureux, content. Super organisation encore. Avec la période qu'on vit aujourd'hui, franchement, c'est ce qu'il leur fallait à nos jeunes. Ce qu'on a vu, c'est une France mixte, une France black, blanc, beurre. Égalité, liberté, fraternité, laïcité. Et victoire. Et la victoire et la qualif pour les c'est une France qui gagne. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui et le message que Seven Dream voulait faire passer. Pour les socios, quelle soirée magnifique. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Vous le voyez, on est en train de tout ranger quand même parce qu'on est responsable ici à Saint-Denis. On nettoie la fin de zone, on ne laisse pas de bordel et on va tranquillement chez soi, dormir paisiblement, fêter la victoire. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Plus beaucoup de voix. Mais il y a une qualification au bout, et ça c'est le principal, et on se retrouve du coup très vite sur la chaîne du Club des 5 pour un nouveau Club des Socios. Pourquoi pas une petite finale de l'Euro avec les Bleus? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Abonnez-vous et likez, et pétez le million de vues. Oh, j'aime bien l'ambition comme ça. T'es français toi? C'est pour ça que t'es ambitieux.